Salut mes chers élèves, مرحبا بكم dans cette nouvelle vidéo. درس جديد معلومه جديده راح نقراو اليوم لي سينونيم اي لي زونتونيم. يعني راح تعرفوا معنا اليوم على المرادفات والاضداد في اللغه الفرنسيه. Restez branchés les enfants, كاين معلومات قيمه وشيقه ومهمه. تبعوا معايا, c'est parti. Alors, c'est quoi les synonymes? Les synonymes, ce sont des mots qui ont pratiquement le même sens, qui veut dire la même chose. Les synonymes, يعني هم كلمات اللي عندهم نفس المعنى, المرادفات أو الكلمات اللي يحبوا يقولوا نفس الشيء. OK? Donc il appartient généralement à la même classe de mots. Donc nom, verbe, adjectif. Donc تبعوا معايا مليح, les synonymes هم كلمات نعني بهم نفس المعنى او المرادفات باللغه العربيه. كي يعطيكم اسم لازم يكون المرادف تاعو من نفس النوع, يكون اسم. الى عطاوكم فعل يكون المرادف تاعو من نفس النوع يعني فعل, والى عطاوكم adjectif او صفه راح يكون المرادف تاعها من نفس النوع يعني صفه. دونك les synonymes généralement ce sont des mots اللي يحبوا يقولوا نفس الشيء يعني نفس المعنى, ويكونوا de la même catégorie يعني non, verbe, adjectif. Donc c'est ça les synonymes. Donc venez avec moi pour voir les exemples. Donc exemple, livre égale bouquin. نقدروا نقولوا livre ولا نقدروا نقولوا bouquin. Kitab, livre, bouquin. Voiture ou la automobile. Voiture, le synonyme de voiture c'est automobile. Voiture, automobile. Élève, écolier. Donc le synonyme de élève c'est écolier. Bravo les enfants. Très très bien. Remarque très importante. Dans une phrase, si on change le mot par un synonyme, le sens de la phrase ne change pas. كي تكون عندنا جملة, إلا غيرنا الكلمة التي في الجملة بكلمة أخرى بنفس المعنى, يعني un synonyme, si on change un mot par un synonyme, المعنى لا يتغير. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Donc, كي نقولو, il prend la même rue. يأخذ نفس الطريق. نبدلو كلمة rue كلمة chemin. Donc rue هي le synonyme de chemin. Alors il prend la même rue, il prend le même chemin. المعنى لا يتغير. يأخذ نفس الطريق أو يأخذ نفس الطريق. Donc طريق هي rue هي chemin. Donc ce sont des synonymes. كلمات بنفس المعنى. Ce sont des synonymes. Alors معنى الجملة لا يتغير رغم تغيير الكلمة بكلمة أخرى. Donc il prend la même rue, il prend le même chemin. Rue et chemin, ce sont des synonymes. Très très bien. Je vais vous donner une liste des synonymes pour enrichir le vocabulaire les enfants. Alors, je vais vous donner une liste des synonymes pour enrichir le vocabulaire aux enfants. Je vais vous donner une liste des synonymes pour enrichir le vocabulaire aux enfants. Maison, maison, c'est le synonyme de domicile. Nous avons maison ou domicile, c'est la même chose. Maison, domicile. Maison, domicile. Yani bait ou manzel. Lieu, lieu, le synonyme de lieu, c'est endroit. Lieu, endroit. Lieu, endroit. يعني مكان. نقولو un lieu ou bien un endroit. C'est la même chose. Bravo. Grand, immense. Grand, يعني كبير أو ضخم. Grand, immense. Grand, immense. Bravo. Joli. Magnifique, joli, magnifique, joli, يعني جميل, magnifique, يعني جميل, bravo. Gentil, immense, immense, يعني aimable, immense, gentil, immense, يعني gentil, يعني latif, bravo. Donner, offrir, donner,
offrir. هنا فعل donner. أقدم لك. أقدم لك. Offrir. نقدم لك. Offrir. Je vous offrir ou bien je vous donne. Offrir. Donner. C'est la même chose. Ce sont des synonymes. Délicieux. Délicieux ou bien bon. Bon. Les vives. Délicieux. Les vives. Un bon gâteau. Un gâteau délicieux. C'est la même chose, les enfants. Bravo. Kilkulu. Content. Content. يعني heureux. Content ou heureux, c'est la même chose. يعني فرح. فرحان. Content. Heureux. Bravo. Calme. Calme. C'est le synonyme de tranquille. Calme. Tranquille. Calme. Tranquille. يعني عاقل. يعني il est calme. Il est tranquille. Joli. Magnifique. Les moches. Les moches ou bien l'aide moche. Les moches. Donc, yani qabih. Qabih, ou moche ou bien les. Bravo les enfants. Naoudoum rapidement. Maison, domicile. Lieu, endroit. Grand, immense. Joli, magnifique. Gentil, immense. Donner, offrir. Délicieux, bon. Content, heureux. Calme, tranquille. Les moches. Bravo les enfants, très très bien. On a fini avec les synonymes les enfants, maintenant on passe aux antonymes. Donc c'est quoi les antonymes? Les antonymes, ce sont des mots qui ont un sens opposé ou contraire. Donc les antonymes, يعني الأضداد, يعني الكلمة وضدها. Ce sont des mots qui ont un sens, li عندهم المعنى المضاد, يعني opposé ou c'est le contraire. نقدروا نقولوا les antonymes, نقدروا نقولوا les mots opposés ou نقدروا نقولوا les contraires. خلونا نتعرفوا على les exemples. Quand on dit domestique, يعني حيوان أليف, le contraire ou bien l'opposé ou bien l'antonyme de ce mot, c'est sauvage. Domestique, sauvage. Domestique, sauvage. Bravo. Petit, grand. Petit, grand. Petit, sarir, grand, kabir. Heureux, malheureux. Heureux, malheureux. Farih, hazin. Heureux, malheureux. Ouvrir, fermer. Ouvrir, يفتح. Fermer, يغلق. نعودوهم. Domestique, sauvage. Petit, grand. Heureux, malheureux. Ouvrir, fermer. Ce sont des antonymes, des opposés, des contraires, les enfants. Bravo. Venez avec moi pour voir une remarque. Le mot peut avoir plusieurs synonymes. لازم تعرفوا باللي الكلمة تقدر نلقاو الكلمة واحدة نلقاو لها بزاف لي سينونيم. دونك كلمة واحدة عندها بزاف المرادفات. نعطو اكزامبل. كي نقولو جونتي نقدروا نقولو جونتي, نقدروا نقولو اغريابل, نقدروا نقولو سيمباتيك ونقدروا نقولو ايمابل. داكوغ؟ دونك ان سول مو il peut avoir plusieurs synonymes. Comme il peut avoir plusieurs antonymes. يقدر يكون نفس الكلمة عندها plusieurs synonymes ou عندها plusieurs antonymes, les enfants. Donc, notre exemple, méchant, froid et indifférent. Donc, axe gentil, c'est méchant. Ou l'axe gentil, يقدر يكون méchant, يقدر يكون froid ou يقدر يكون indifférent. Donc, فهموني, c'est que un seul mot, يقدر يكون عنده بزاف les synonymes ou يقدر يكون عنده بزاف les antonymes. Ok? Je vais vous citer ici une liste des antonymes pour enrichir le vocabulaire, les enfants. Donc, ينقولو jeune, l'axe de jeune, c'est vieux. Jeune, jeune, يعني صغير. Ou jeune, يعني شاب. Vieux, يعني إنسان كبير في السن. Vieux. Jeune, vieux. كي نقولو liquide, l'axe de liquide, يعني حاجة سائلة, liquide. L'axe de حاجة, c'est solide. حاجة صلبة, solide. Bravo. كي نقولو riche, riche. Riche, ça veut dire ثري. Le contraire de riche, c'est pauvre. Pauvre, riche, pauvre.
Vivant. Vivant, ça veut dire hay. Vivant, le contraire de vivant, c'est mort. El-maut, mayit. Mort, vivant, mort. Quand on dit beau, beau, c'est beau, jamil. Le contraire, c'est laide, laid, laide. Ok? Donner, donner, donner. Yuqaddim, le contraire de yuqaddim, c'est prendre. Ya'khud. Donner, prendre. Fort, qawi. Le contraire de fort, c'est faible. Fort, faible. Quand on dit rire, yathak, rire. L'axe rire, c'est pleurer, yepki. Rire, le contraire, c'est pleurer. Quand on dit tôt, tôt, yani bakiran. Le contraire de tôt, c'est tard, tard, tard. D'accord? Très bien. Tard, yani mutaakhir. N'audouhom ensemble les enfants. Jeune, vieux. Liquide, solide. Riche, pauvre. Vivant, mort. Beau, laid. Donner, prendre. Fort, faible. Rire, pleurer. Tôt et tard les enfants. Très très bien. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Pourquoi on utilise les synonymes et les antonymes? Donc notez bien les enfants que les synonymes et les antonymes sont utilisés pour éviter la répétition dans le texte. L'itafadi tikrar, tikrar fennas. Nato exemple les enfants. Kinkoulou, maman, coupe le pain et coupe les fruits. Maman, tqatta al khobz ou tqatta al fakiha. Maman, coupe le pain et coupe le fruit. Ici, on a la répétition de mots coupe, coupe. Et pour éviter la répétition, on utilise des synonymes. Donc, nqadalon koulou, maman, tranche le pain et coupe les fruits. Hna, ntahaslo ala jumla ahsan. Maman tranche le pain et coupe les fruits. Donc tranche, c'est le synonyme de coupe. On a changé le mot coupe par un synonyme. Et avec cela les enfants, que nous lhaqna li nihayat had la vidéo. Ntmenna tnal i'jabkom ou tstefadou menha bzaf bzaf. Révisez bien pour avoir des bonnes notes les enfants, les examens ala l'abwab. Et avec cela, je vous dis au revoir les enfants, partagez avec vos amis et vos familles et vos voisins et vos collègues et vos copains. Inchallah kamel yistefadou maana. Au revoir, à très bientôt.